Bill Kaysing publie en 1974 « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune. L'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars. Depuis ce temps, les complotistes s'en donnent à cœur joie. » Bill Kaysing évoque des faits qui ne devraient même pas troubler le plus simple des esprits. Le drapeau américain flotterait dans le vent malgré l'absence d'atmosphère. Les étoiles ne brillent pas. Ce sont des questions faciles, avec des réponses faciles. Mais décidément, cette croyance a la vie dure. Puis, Kaysing implique Stanley Kubrick, qui aurait tourné les images d'astronautes sur la Lune dans un studio. Armstrong, Aldrin et Collins n'aurait jamais quitté la Terre. Alors que le décollage de la fusée Saturn V a été vu par des milliers de personnes présentes sur les lieux des décollages. Le film Room 237 affirme même que Kubrick avait laissé des indices évidents dans son film Shining de sa collaboration avec la NASA. Vivienne Kubrick, la fille du cinéaste, interviendra en juillet 2016 pour tenter de dissiper les doutes une fois pour toutes. Elle dira textuellement « Un artiste comme mon père, dont le profond degré d'intégrité artistique est évident, dont la conscience politique et sociale est manifestement présente dans pratiquement chaque film qu'il a fait, qui a risqué sa vie à aborder des sujets hautement controversés. Ne pensez-vous pas qu'il serait la dernière personne à venir en aide au gouvernement américain et à trahir ainsi ses adeptes? » À travers les années, d'autres articles ou documentaires comme Opération Lune n'ont pas arrangé les choses. Bien au contraire, ce supposé documentaire réalisé avec des acteurs et des interviews sorties de leur contexte ont induit bon nombre de personnes dans l'erreur. Certaines parties du film sont bien réelles, d'autres complètement fictionnelles, avec des dialogues qui en réalité n'ont jamais été prononcés. Pourquoi expliquer que le drapeau planté par les astronautes semble flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune? Le drapeau est maintenu par une tige horizontale avec des plis pour donner l'illusion d'un flottement. L'empreinte de pas d'Aldrin, très nette sur du sable sec, est simplement que le sol lunaire est composé de rigolite, une poussière produite par l'impact des météorites proche de la cendre volcanique. Cette composition et l'absence d'atmosphère nous expliquent parfaitement la profondeur de ces empreintes. La ceinture de radiation de Van Allen est une zone de radiation toroïdale de la magnétosphère de la Terre qui entoure l'équateur magnétique et contient une grande densité de particules énergétiques provenant du vent solaire. Mais elle n'empêche pas de voler malgré les fortes radiations qu'elle dégage. On peut en réalité considérer qu'elle est constituée de deux zones distinctes appelées ceinture intérieure et ceinture extérieure. Elle est constituée principalement de protons à haute énergie provenant du vent solaire et du rayonnement cosmique piégés par le champ magnétique terrestre. Une exposition, même de courte durée, aux parties les plus intenses de ces ceintures de radiation étant fatale, la protection des astronautes par un blindage adéquat
et la sélection de trajectoires minimisant l'exposition sont nécessaires. Seuls les astronautes d'Apollo 14 qui se sont rendus en orbite lunaire ont traversé la ceinture de Van Allen à son point le plus radioactif. Ils ont passé moins d'une heure au total dans les deux ceintures. Finalement, les doses reçues lors des missions lunaires, incluant la traversée de la ceinture et l'exposition au rayonnement cosmique, furent relativement faibles. Donc, ce n'est pas un exploit de traverser cette ceinture. Et de plus, la trajectoire d'Apollo a évité les sections les plus énergétiques, à l'exception d'Apollo 14. Et on calcule que les astronautes ont reçu une quantité très faible de radiation, moins que des employés de centrales nucléaires. Le paysage sur la Lune était la chose la plus importante à capturer sur les photographies d'Apollo. L'appareil photo a donc été ajusté pour tirer le meilleur parti de ce paysage. En conséquence, les étoiles relativement sombres à l'arrière-plan n'étaient pas visibles dans aucun des plans. Pour filmer ou photographier le paysage lunaire le plus clairement possible, on se devait d'ajuster la caméra pour la clarté, ce qui donne comme résultat que l'on ne verra pas les étoiles depuis la Lune. L'objectif de la caméra et les réglages utilisés ont créé toute cette incompréhension autour de cette histoire d'étoiles invisibles. De plus, l'intensité du soleil faisait ressortir la brillance du sol lunaire. Il fallait ajuster la lentille des caméras en conséquence. Lorsque les rayons cosmiques et le vent solaire entrent en collision avec les particules constituant la surface lunaire, le régolithe, ils déclenchent de petites réactions nucléaires qui libère encore un plus de radiation sous forme de neutrons. En d'autres termes, la surface lunaire est radioactive. Finalement, les doses reçues lors des missions lunaires, incluant la traversée de la ceinture de Van Allen et l'exposition au rayonnement cosmique, furent relativement faibles. Les astronautes d'Apollo 14 furent les plus exposés, avec une dose absorbée au niveau de la peau de 1,14 rad, soit 11,4 mg. En considérant un facteur de pondération pour la peau de 0,01 et un facteur de pondération pour les rayonnements de 20, qui est le cas le plus pénalisant, les astronautes d'Apollo 14 ont reçu une dose de 2,24 millisieverts. Par comparaison, la limite annuelle pour les travailleurs du secteur nucléaire en France est de 20 millisieverts. Les roches lunaires rapportées par les différentes missions ont une empreinte qui les distingue des roches terrestres, créées par les rayons cosmiques qui, en l'absence d'atmosphère, bombarde la Lune en permanence depuis des milliards d'années. Il y a des isotopes dans les roches lunaires que nous ne trouvons normalement pas sur Terre, qui ont été créés par les réactions nucléaires avec ces rayons cosmiques à très haute énergie, explique David McKay du Centre spatial Johnson de la NASA. Si on en est aussi sûr, c'est parce que ces roches ont été étudiées au fil du temps par des milliers de scientifiques provenant de dizaines de pays différents. La constitution de ces roches ne se retrouve nulle part sur Terre. Les décollages de la fusée Saturn V n'ont jamais été secrets. Ils ont tous été télévisés. Les Russes ont félicité à l'époque
les Américains pour leur accomplissement. Le monde entier s'est arrêté et a reconnu le succès des missions Apollo. 400 000 personnes ont participé à ce programme. 300 milliards de dollars US d'aujourd'hui ont été investis dans ce programme. En 2011, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter a photographié les sites d'Apollo 12, 14 et 17. Apollo 11 a eu son tour l'année suivante. Par ailleurs, des sondes japonaises, indiennes et chinoises ont aussi photographié un ou des sites des missions d'Apollo. La sonde japonaise Kaguya nous montre les sites d'atterrissage, la plateforme du module lunaire, les pas des astronautes sur la Lune. Si l'homme a mis le pied sur la Lune, pourquoi il n'y retourne pas? Dans un contexte de guerre froide, il était important à l'époque pour les Américains de mettre le pied sur la Lune avant les Soviétiques. Les Russes, à partir de 1957 jusqu'à 1961, ont continuellement damé le pion aux Américains en établissant divers records. Le président Kennedy a sonné la charge avec le fameux « We choose to go to the moon ». L'énorme industrie américaine s'est mise en branle avec un budget astronomique. Et en juillet 1969, c'était chose faite. Neil Armstrong foulait le sol de la Lune. Mais en 1972, après 6 missions qui se rendront sur la Lune, le désintéressement du public sera énorme. Le peuple a les yeux tournés sur la guerre du Vietnam. La pression est énorme pour que cesse cette guerre et pour que l'on dépense l'argent au bon endroit. À quoi sert d'envoyer des hommes sur la Lune pour ramener des cailloux, se disait l'homme de la rue, qui ne connaissant pas toute l'importance scientifique de ces missions, en était réduit à penser que le gouvernement n'avait pas les bonnes priorités. Pourtant, les missions Apollo réalisaient sur la Lune bien plus que des promenades en rover et de la collection de cailloux. Mais qu'importe, l'opinion publique était forte pour que cessent ces missions. L'arrêt de mort du programme s'est produit quand le Congrès américain a cessé de financer le programme Apollo. Politiquement, le but était atteint. Les Américains avaient atteint la Lune avant l'Union soviétique. Même à son paroxysme, l'aventure d'Apollo tout au long des années 60 ne faisait pas l'unanimité dans la population. Les problèmes sociétaux prenant une place beaucoup plus importante dans l'esprit de bon nombre de personnes. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man,
all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but and of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward, to seeing you on the Hornet on Thursday.